m'appelle Indy, je suis américaine qui vit en France depuis plus de 5 ans. And today I'm very excited about our next little adventure together. So a few years ago I was told about a woman who forages plants and flowers in nature and then cooks with them. So she's actually doing a little workshop, so we're gonna do that today. And we'll go into the woods, forage for different plants and flowers. She'll tell us about their uses, and then we're gonna make a little goûter, a little snack together. We're looking forward to it. It's something I've never done, and especially to use things in your own backyard, like how cool. We got our panier, we got our basket, so let's roll. We drove over near to the forest and began our foraging. She started pointing out different plants and telling us about their uses. Donne l'heure de midi, c'est la chicorée. Celle-ci c'est fini, demain il y en aura d'autres quoi, c'est pas elle donne l'heure et c'est des jolies fleurs bleues couleur lavande. C'est magnifique la chicorée. Et c'est l'ancêtre de notre c'est notre chicorée racine avec laquelle on fait la chicorée. Je ne sais pas si vous achetez des fois du psyllium. Le psyllium, les gens achètent ça, c'est des gélules. Alors on achète ça un peu cher en parapharmacie ou en herboristerie, c'est du plantain. C'est une variété de plantain. Alors le plantain fait des. Donc c'est celui-là que j'aime bien, moi, on l'appelle lancéolé parce qu'il fait des grandes feuilles pointues. Après il y a le plantain rond, bon on va en voir plus loin certainement. Et ces graines-là, bon là. Il a fleuri avant que la fleur est là encore. Là, on a des étamines. Là, avant qu'il fleurisse, le bourgeon se mange. Il a un goût de champignon. C'est excellent. Ça se mange cru. C'est vraiment. C'est un leurre de la nature. C'est une plante qui a le goût de champignon un petit peu. C'est vrai qu'à cette époque-ci, c'est facile à reconnaître parce qu'on a les fleurs. Au printemps, c'est des fois un petit peu plus vite. Parce que ce qui va nous intéresser, ça, c'est l'achillée millefeuille. Donc, si j'en ai une grande, j'ai forcément des pieds un peu plus loin. Hein. En principe, on n'a pas une plante. On prend que des plantes communes qui poussent partout. Si c'est rare, je me dis, c'est une plante rare, on ne touche pas. Moi, je trouve ça trop beau. Hein. Dans un jardin, ça, je trouve ça trop beau. Donc, ça, c'est aussi, c'est ce que je vous ai dit, le persil de la cuisine sauvage. C'est-à-dire qu'on va récupérer toutes ces feuilles-là. Et on va hacher ça comme on se sert du persil. It was also very sweet. Her 6-year-old granddaughter came with us and we became instant besties. She was telling me lots of stories and was adorably curious about everything. She wanted to hold my hand and asked me to stay after to swim with her. It was really cute and fun to experience that age again, just for an afternoon. Mais tu savais qu'on marcherait là? Non. Ah. Mais après, elle est allée avec Elo. Et ben en fait, on a vu une énorme peluche de Stitch tout en haut de l'étagère. Wow. Alors là, j'ai impressionné. On a cette belle famille de plantes, petites plantes, enfin elle est plus grande que ça, mais elle est belle. Qui fait, là on a des feuilles à étages, comme ça on a une tige, des feuilles à bout de tige, d'une autre feuille à bout de tige, d'une autre feuille. C'est la façon de la reconnaître. Voilà, elle est toute petite, on va voir des plus grands, ça peut être gigantesque. Hein. C'est la famille des gaillets. Et les gaillets, c'est pareil, plantes aromatiques qu'on va manger cru. Mais là c'est des repos, ça, parce que le gaillet, c'est une plante de printemps. Regarde, tu peux mordiller le haut comme ça. Oui. L'herbe à pizza, l'origan. Hein, on peut la goûter. Eh ben oui, tu peux la goûter. Donc voilà, là, c'est en plein. Tu vois, tu manges pas. Joli, hein, vas-y. Si. J'adore.
Il y a le mililo jaune, que voilà le mililo blanc. Aussi. Quand tu fais sécher cette plante-là, ça va dégager un goût un peu de vanille, de foin qui sèche, c'est excellent. Et on peut faire des cookies avec ça. Avec la fleur ? Avec les fleurs. Les fleurs. Sinon, moi, je fais sécher ça et ça fait du foin. On dit que c'est le foin de la cuisine sauvage. Quand on veut l'intégrer dans une pâte ou quelque chose pour enrober quelque chose, on met le mélilo. So after our time foraging in the forest, we went back to her place to prepare the goûter, or snack, with what we gathered. We ended up finding ribwort plantain, burnet, nettle, yarrow, ground ivy, and Ascabius knapweed. We ended up making crackers with nettle, served with an herb cheese spread, a Mediterranean spread using the brunette, oregano, and yarrow we foraged, as well as a crème parfumée aux fleurs, which is similar to a pudding in English, using the flowers, as well as shortbread style cookies and chocolate cookies with the ground ivy. My favorite were definitely the chocolate cookies, the crackers using nettle, along with the herb cheese spread. But I think the true highlight was just how kind everyone was, and it was just such a lovely afternoon. Mille merci à Blandine et tous les gens que j'ai rencontrés là-bas. Franchement, on a passé un après-midi agréable et ça m'a fait du bien, c'était top. Please let me know if you've ever tried foraging before and what did you cook and just about your experience. Until next time, gros bisous et à la prochaine. Salut!